Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui va traiter d'un deck que vous avez probablement rarement ou jamais vu, et en plus un intervenant qui va nous parler de Golem, un archétype que où je prends rarement des intervenants. C'est Naratos, bienvenue à toi Naratos. Bah merci, bonjour à la chaîne. Bonjour à tous évidemment. Alors, Naratos, est-ce que tu peux t'introduire, te présenter rapidement? Bah, je m'appelle Hugo, je suis joueur chez Loot Esports, donc une petite team Clash Royale qui débute et on prend l'ampleur au fur et à mesure. Voilà. Ok, top. Et donc tu t'es dit, tiens, du Golem Sap. Bah ouais, ça pourrait plutôt bien marcher dans la méta vu que croise beaucoup de Sparky ou de trucs comme ça. Ouais, Ou et du de coup en trucs qui plus peuvent te t'as des faire replays reset, quoi. contre Géant Zappy, donc pour toi ce deck fonctionne bien contre Géant Zappy. Ouais, bah ça. Le zap, il fait tout, quoi. Franchement Le j'ai zap, c'est le super hâte de prince, quoi, voir c'est. ça. Donc là t'as des replays de 12 victoires en super défi. Et Ouais. du coup après on fera un petit peu de live. Ça te convient? Ouais, pas de problème. Super. Alors c'est parti. Alors là Tony il nous joue du 2.9. De l'Arkix du coup. Ouais, bah là c'est le match-up normalement. Ouais, Enfin, tu c'est penses que même pas. si t'as pas de gros sort, genre foudre, t'as quand même le match-up là-dessus? Bah en fait, faut juste savoir bien gérer le x1. Ouais. Faut pas faire le con à jouer son golem, quoi, c'est tout. Ok, parce que Enfin, à en part. vrai, ça dépend beaucoup du niveau du joueur d'Arkix, hein, je trouve, moi, ce match-up. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. Bah ouais, de toute façon, c'est l'Arkix. Si t'es sur un mauvais joueur, tu le sais direct, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, c'est plus compliqué à amener pour le joueur d'Arkix que pour le joueur Golem, je trouve. Ouais. Alors, la bûche qui est remise pour te gratter un petit peu, il remet le Golem de glace. De toute façon, t'es obligé de Après, prendre des petits grattages gentils. ouais, bah ouais. Mais de toute façon, là, j'ai juste cyclé mes troupes dans le fond un peu. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire en Golem, hein. Il faut vraiment essayer de rester tout le Ouais. temps au-dessus de 7 d'élixir. Enfin, 7 ou Ouais, plus. je. Et du coup, il doit cycler ses sorts. Exactement. Après, le problème, c'est que s'il a cyclé sa Par bûche, exemple, là, bah, là, mon prince, ça va être chaud. il aurait pu partir en Arkix, hein, sur ton prince fond de map. Hein. Ouais, mais je sais pas s'il serait passé, je pense pas. Ouais. Je sais pas trop. Si, si, il Et si passe, jamais hein. j'avais zap pour le reset. C'est vrai que tu joues Zap pour le reset, c'est vrai. En tout cas, je pense que c'était un bon play de sa part, hein, de faire ça. Alors, Ouais. Bédragon qui va attaquer. Là, de toute façon, il te reste plus que 20 secondes à tenir, donc t'es tranquille. Moi, quand c'est comme ça m'arrive assez souvent de balancer un petit golem milieu de map, histoire de tempo justement le x2 avec un golem qui va aller marcher un peu vers l'Arkix ou... Ouais, tu peux, mais après ça dépend du niveau du joueur. Moi je sais pas, là sur cette game, je sens jouer comme ça, mais Ouais. on peut jouer aussi au milieu. Ok. Donc là, il pose Arkix à gauche. T'as ton golem, Ouais. parfait. Là, je préfère l'envoyer sur l'Arkis direct plutôt que le mettre à droite, même si l'Arkis prenait le focus, mais. Je me Oui, suis je dit au comprends, ouais. moins, Ouais, je suis sûr. Ça me semble mieux aussi, hein. C'est plus safe d'avoir le golem qui va les taper. En plus, de toute façon, t'avais pas spécialement de tour qui était déjà endommagé, donc toi, tu t'en fiches, enfin. Au contraire, il Ouais. vaut mieux que tu partes sur le côté de la lane où il t'a plus gratté. Après, il me semble que cette game elle est longue parce que tu vois, il arrive quand même bien à me défendre vu que j'ai pas de gros sort. Ouais. Là, le bûcheron il a bien fait le taf. Enfin, il a bien pris le focus. C'est vrai. Après, t'avais pas cyclé très rapidement et du coup, il t'avait un peu de cycle, t'as dû renvoyer le fût. Ouais, c'est pour ça. Après, j'ai plus commencé à cycler mes Ouais, troupes. parce qu'il faut faire gaffe à ça, hein, mine de rien. Faut pas rester trop. Enfin, faut pas hésiter à cycler un peu plus rapidement. Ça a mis bien parce que j'ai pris l'esprit en même temps. Oh, le zap! Ah, t'as mis le zap pour gratter les archères. Ça a fait mal, hein, le pauvre. Ouais, le zap il a bien carré là. Ah, ouais, t'as mis Plus le prince énormément il de a mis la dégâts. charge là. Ouais, c'est clair. Est-ce que pour toi, du coup, une boule neige ça ferait pas le même effet parce que ça reset pas les appis, etc. C'est ça? Bah ouais, c'est ça en fait. Même quand on joue contre des princes ou quoi, c'est pas la même chose. Oui. Par exemple, j'ai en double prince, j'aurais plus de mal avec une boule de neige qu'avec un zap. C'était volontaire de prendre l'aggro sur le prince ici? Ouais, je crois. Je sais plus. Je t'avoue, ça fait Oui, y a pas de soucis. longtemps que j'ai joué la game. Ok, du coup là tu vas re-zap normal Là, les je archers préférais et tu les veux pas. tornade zap.
Surtout pour cycler mon golem en fait. Ouais. Puis là, dans Je tous les dois cas, les sur de golems ils te font l'avant. gratter. C'est ça aussi la force du golem. Ouais. En plus, elles seront en sourage là. Effectivement, Enfin, celle une. de gauche en tout cas. Après, là, je savais que j'avais à peu près gagné déjà. Ouais, c'est compliqué pour lui. Hein. Là, il est en retard, Parce mais il s'y arrange que quand même. là, Hein. il a fait une petite erreur, je pense. Ah, bah, j'ai mis mon prince quand même. En plus, je me rends compte de mes erreurs quand même. Oui. On C'est pas grave, ça passe quand même. va rien dire. Tu veux les tornades zap encore une fois? Ah non, tu les as pas cette fois. Ouais, je préfère la tornade. Je voulais prendre la Tesla, mais Ouais. du coup, le golem il a explosé au même moment. Mais de toute façon, là. Ah, voilà, il a BDF, là, c'était fini. Ouais, t'étais tranquille. C'était un match-up relativement simple, hein, ça pourtant. Ouais, bah, faut juste bien savoir tempo, et sinon, c'est bon, quoi. Yes. Du coup après tu as contre Umtai qui joue du spam bridge. Ouais, il avait un bon profil en plus. Alors, on s'en profite. Ah ouais quand Ouais, même. mais. Ouais, ça va. C'est un deck skill en plus ce spam bridge. On est parti dessus? 3, Ouais. 2, 1, go. Non mais il y a la version archémagique là qui joue, non? Ouais. C'est Ouais, skill mais ça. ça m'a surpris, hein. C'est bizarre, l'archet magique. J'adore moi ce deck, enfin j'adore les versions archi-magiques Spam Bridge. Ouais, mais c'est les anciennes et en même temps nouvelles, vu qu'il y a boule de neige à barbare, mais. Ouais. Mais c'est vraiment pas évident de pas s'overcommit et de mettre une bonne pression, etc. là-dessus. C'est des decks très complets et Ouais. vraiment durs à défendre aussi. Hein. Ok. Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur d'ailleurs dans la game. Ce qui m'avait bien mis la pression. Ah, Mais je verrai après, de toute façon. ça m'étonne pas. Ça va vite en golem de se faire dépasser par la pression aussi. Hein. Ouais. Parce que des fois Bah, tu peux te surtout dire 2 minutes et arriver au moment. contre les Mondaxi, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, même le spam bridge prince par exemple, même si t'as match-up en golem, ça reste pas forcément évident, quoi. Ouais. Donc il repose son archer magique, Après, là tu vas le. poser une voleuse. Oui, Ouais, je après. savais pas trop ce qu'il avait posé. Ouf, Je pardon, préférais c'est lui, bébé drague pardon. dans le fond Oui. pour pouvoir cycler mon bûcheron parce que sinon j'allais me faire défoncer. Moi bon, ça va, pour l'instant t'as pas pris trop de dégâts, il reste 50 Ouais, là secondes avant le x2. mon dragon il va gratter. Ah oui, un petit coup. Petit peu. Il repart en spam bridge. Ouf, ta MG elle est loin Ouais, mais j'étais pas prêt à ce qu'ils mettent tout là. ça. Est-ce qu'il te décharge tout au niveau du pont? Mais ça va, là je savais que j'étais bien à peu près. Parce que je savais qu'il allait jouer une voleuse. Ouais. Donc là Oh le le zap! voilà, le Ah, le zap, zap là il il fait va me faire. plaisir. Ah hein. Oh, j'adore cette interaction. Ouais, ça m'a mis vraiment bien. Parce Ouais, que c'était du bien coup joué. là j'avais un gros avantage élixir, même si je devais déflorcher chez magique, mais. Ouais, mais là t'as les options défensives. Hein. T'as le bûcheron, t'as le bébé dragon. Normalement t'es pas trop mal. T'as l'AMG aussi qui est encore mieux. Mais là il a encore forcé, mais je préfère quand même rester sur le tempo quand même. Je comprends. À quel moment tu dis que t'envoies le golem dans ce match-up, là? Bah en fait j'ai attendu qu'il spamme un peu avec son bélier ou quoi. Ouais, ok. Ouais, là j'ai mis mon prince il me semble. Ouais, normal, hein, tu défends la Battle Ram. Ouais et hop, je vais rajouter un bûcheron même. Ah, elle connecte quand même? Oh, putain. Ça, c'est Ouais, dur. et il a connecté avec le golem de glace. Ouais, je vois. Et là, Et du coup, tu là, j'ai permets le préféré golem. mettre devant. Puis je savais qu'il avait que le dragon de l'enfer pour mettre des gros dégâts sur un Ouais, golem. ça marche bien quand même. Hein. Ah, Et tu la vu zap. Ouais, voilà c'est vrai que t'as le le. zap. Ouais. J'ai oublié ce détail. T'as la tornade aussi qui permet de le reset. T'as deux moyens de le reset. Ouais. Là, j'avais un peu seum parce que j'ai tourné à l'archer et il est revenu juste après. Non, mais je défends les copains. Hein. Mais après ça, là, le bûcheron, il a bien gratté. Oh là, énorme. Ce bûcheron, quand il arrive au corps à corps sur une tour, c'est ouf. Là, il va te bourrer à gauche, non? Ah, il bourre à droite, ok. Ouais, mais là, le prince. Bah, il fait le travail, hein, Le prince, tranquille. c'est clair. Là, même s'il connecte le billet de combat, il Après, fera quand même beaucoup je de pensais dégâts. pas qu'il allait faire des pop comme ça, donc. Ou par Là, contre, j'ai ouais. fait une petite erreur, mais. Parce que Ok. je savais que j'allais passer. Parce qu'il a pas de gros sort pour finir, donc. Il a que l'archer magique, ouais. Il faut 4 coups d'archer magique. Là, vu le bus. Ouais, il s'est dit, Voilà. ok. Mais il y a un moment dans lequel il rentrait à 3 coups d'archer magique et un truc. Hein. Ouais. Et une boule de Mais neige. pff, ça aurait été chaud. Non, bien sûr. Bien sûr.
Top. Et du coup, tu as le fameux deck que tu dis que tu gagnes avec ce deck, le géant gobelin sapi, donc le deck de la méta par Ouais. excellence. Ouais, c'est un bon deck. Ok, allez. Je joue d'habitude d'ailleurs. Deck contre lequel tu as gagné les 12 victoires en super défi d'ailleurs. 3, 2, 1, go. Alors, comment tu abordes ce match-up, du coup, pour toi, vu que c'est un bon match-up? Bah, déjà, j'essayais quand même de tempo de cycler les bonnes cartes pour le Zapi. Ouais, ok. Que je préfère garder mon Zap aussi. Le MG bûcheron, je garde pour le ténébreux. Et après, faut surtout faire gaffe à ce que la troupe que focus au Zapi ne soit pas collée à la tour, quoi. Ouais, ça c'est crucial, hein, clairement. Quand t'es comme ça, par exemple, tu vas faire quoi? Mettre un bébé dragon et un zap? Ou un prince et un zap? Bah Ou... là j'attendais juste de voir ce qu'il mettait. Et là j'ai Oui, t'as attendu un pas peu, j'ai besoin un de peu plus, hein. leak, Ok. Ouais. C'est pas mais grave, le hein, le zap il leak en golem, suffisait. hein. Ouais. Ok. Je défends bien. Quoi, après je savais ce qu'il jouait là parce que. Oh, super cash en Après plus? il m'a. Bah. En soi, ouais, mais là j'avais. La boule du dragon elle a pas atteint à temps. Parce que je voulais juste lui mettre la pression pour qu'il puisse rien rajouter derrière Oui. en gros push quoi. Ouais, je vois. Là, du coup, il va te connecter un coup le géant gobelin. Bon, c'est pas grand-chose, hein. 5 et un petit Ouais, dégât, on n'est pas non un plus seul sûr. coup. Sinon le bûcheron il gère bien. Ça, et puis, le géant gobelin, tout seul, il fait pas si mal que ça. Hein. Non. Là du coup ouais, je voulais. Je Ouais. crois que je voulais juste rajouter un fût, je pensais qu'il allait mettre autre Ouais, chose. tu voulais ça avec les cycles ton deck. J'espère qu'il va te mettre un coup. Ouais. Du coup, ça m'a mis. Ouais, il m'a mis un coup, je crois. Ouais. Ok, il repart en zapi fond de map. Ah, tu golem quand même Là, j'ai sur la préféré. zapi? Ouais, j'ai golem direct. Bah, parce que le deck que je t'ai dit, en face, j'ai l'habitude de jouer, donc je sais à peu près ce qu'il va mettre. Là, je savais qu'il allait mettre le gobelin géant, donc, quoi. Ouais. Et là du coup, j'ai rajouté mon prince. Donc, le golem, il a bien tanké. Ouais, je vois. Du coup, ensuite, j'ai juste rajouté les troupes sur le Zapier. Ouais, Je avec crois un zap au que. préalable, hein, parce que sinon c'est la même zerbe. Ouais, là, parce que. Mais en plus, il a changé de focus, puis à ce moment, hein, voilà, à cause de la boule de neige. Eh. Hey. Ok, Mais plutôt après, là, bien. le prince Sourage, tu vois, il met bien la pression quand même. Ouais, clairement. Clairement. Là, tu as fui de barbare ou pas? Non, même pas, c'est pas besoin. Non, juste bébé dragon. Tu repars en golem fond de map? Juste Ouais, recycler mon golem. c'est ce qui me semble aussi Ouais. bon play. Alors là, du coup, il y a ses apis. Ses apis, au final, tu laisses souvent gratter le golem et tu vas chercher le prince. Pardon, le géant gobelin avec ton prince. De ce que je vois. Ouais. Là du coup voilà là, juste à MG sur le Zapi et je mets un petit zap. Ensuite après j'ai un gros push qui arrive. Même si le golem il va mourir, c'est. Ouais, c'est Qui a énorme. derrière je sais qu'il peut pas le gérer avec le deck C'est quoi. ça, et puis il peut pas mettre Zapi non plus, parce que du coup, sinon il se prend un zap. Et là, du coup, tu en profites Ouais. vraiment. Waouh. Là j'ai genre. Non, en fait je pensais Tu pas il allait reprends défendre comme ça quand même sous mais. la rage. Du coup Énorme. je suis reparti au prince, c'était. Oh, il fait tellement mal le prince Sourage. Ouais, ce courage, c'est. Oh là là, et t'as une portée de zap. Donc là, tu sais que t'as juste à recycler Voilà. ton deck, donc les petites cartes, et puis t'es bien quoi. Petit fût de barbare. Ouais, juste à cycler. J'ai tout cyclé dans le fond, il me semble. Ouais, Ouais. bah, y a pas de raison de prendre de risques. Hein. Tu pourrais limite tornade aussi, hein. Enfin voilà, zap. Et les 12 victoires qui passent en super Ouais. défi. Énorme. C'est vrai qu'au final, il était tranquille pour toi ce match-up. Bah ouais, finalement, il était. Ça. C'est bien passé. J'ai. M'a pas mis trop de pression, quoi. Ouais, Ça carrément. gère bien le zap. Alors, on est parti sur un petit peu de live du coup? Ok, super. Alors ici nous sommes en 6-0 en super défi et on teste le deck de Narratos. Alors j'ai le bébé dragon, prince, bûcheron et je suis contre Ross de 16 Bagos. Moi d'habitude, là tu Garde, peux tiens, je bûcheron à prends. droite, je pense. Ah ouais, t'aurais Là bûcheron à droite? tu colline, tu. Ouais, franchement, je préfère. Enfin, après, moi j'aime pas avec ce deck jouer le golem en forain. Ouais, je vois. Moi j'aime. Ouais, ok, je comprends. Que le problème, c'est qu'avec le prince, s'il joue bien son électro sorcier, je pense qu'il peut te faire mal. Ouais, je comprends, hein, je comprends. Bon, après, ça a pas l'air d'être le meilleur joueur. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Je veux juste des fois de barbare à droite, c'est pas grave. Ouais.
Là, il a plus d'élixir de toute façon, donc je pense que tu vas passer. Il peut juste mettre un électro Là, il sur y a ça en l'élite. bûcheron. Hein. Bah, c'est peut-être forcé, mais oh non, c'est une manière de faire mon play. Il peut plus rien faire. Ouais, il avait zap, il te défendait sinon. Ok, parfait. De toute façon, tu joues bien Golem déjà, donc Oui, c'est je connais parfait. un peu Golem. On va faire Après, l'herbouille à Golem, c'est pas gauche. non plus. Elle met trois coups, ça ne gâche pas. Salut. Okay. Alors. Et t'as le même élixir que lui, là. Ouais, bon, on est bien. Je vais attendre de voir où il met son billet de combat. Je mettrai un prince sur la même lane. Là, il va. Je sais pas s'il va y aller. Je pense qu'il va Avec un peu de baigner. chance, il pique à dents, il pique à dents, voilà. Ok, bah écoute, je refais comme tout à Là, l'heure. tu peux Hein. partir en golem. Ouais. Je vais prince Bon, simple en pour vrai... partir. Ouais. Et le truc, c'est qu'il va Parce que devoir t'en avais répondre pas au encore prince, c'est ça cyclé. l'avantage, quoi. Par contre, essentiellement, je peux pas couper mon golem, donc ça va être galère, il va se faire dégoper mon golem. Ok. Ouais, là il a pété son électro. C'est ça. Bon, après, il va avoir la PK qui a plein de vie, et il va pouvoir en recycler une nouvelle et ça va être relou. Mais à part ça, ça devrait aller. Ouais, le problème c'est que avec ce deck contre PK, quand t'as pas le prince en main, c'est chaud parce que le bûcheron il se fait. Ok. Ouais, bien sûr, Là bien en vrai, sûr. t'as de nouveau le prince. Non, plus tout ça s'est enragé donc c'est tranquille là, la deck. Ouais, ça se passe. Ça se passe bien. 30 secondes à tenir. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Il va Je sais peut-être pas trop bélier au non plus. bridge. Ouais, ok, il baillit bridge. C'est électro aussi, mais il met mal en attaque. Hein. Oh. Bon, ça va, ça va. Tranquille. Ouais, c'est bon. Et voilà, ça se passe bien. Ok, le Ça passe 7-0. trop, là. Après, je suis pas forcément habitué à ce deck-là. Hein. Du coup, il y a des fois des cycles que je devrais faire plus rapide Ouais, pour. Bon, on est reparti. On tente le 8-0. avec le deck, ouais, Guido. Mais avec le deck, faut bien essayer d'anticiper, je pense. Parce que le zap, il peut être super important si t'anticipes bien les voleuses et tout, quoi. C'est vrai que j'ai pas Ça l'habitude. peut Les être voleuses, tu les zappes juste avant qu'elles dashent pour les reset, c'est ça? Ouais, je dirais quand il les pose, quand le va dash sur le prince, je dirais zap. Ok. Oh, Mais One Inch Sport. faut être prêt, quoi. Ouais, Ça va être un bon une joueur, ça. histoire. Ça va être cool. Ok, moi je dev juste comme ça, je prends le temps. Alors, il joue fuite Ouais, barbare, ok. c'est mieux un truc à faire. Bat, bon, Ouais, avec c'était Dorian. peut-être ballon. Possible. Ou. Ah non, Oh, cochon séisme. cochon séisme, Cochon voilà. séisme. C'est ça. En vrai. Ah, je suis pas sûr, Je hein. sais pas Ça si va c'était le être meilleur du ballon, match-up hein. ça. Non? Ça va être quoi, tu dis? Non, cochon séisme. Ok, t'as raison. Bon, je prends un coup de cochon, du coup, c'est pas grave. J'ai pas envie de claquer Tornade tout de suite parce que je l'avais pas en main. Donc, ça m'aurait coûté vraiment cher. Que En si vrai, tu je sais pas veux. si match-up tu l'as ou pas. Je pense que je golem quand même Parce que ici, non? si. T'en penses quoi? Moi, je vais Ouais, golem tu pour peux un truc golem, il a fou, 3 moi. d'élixir en plus donc. 3, 4. Il a rien pour punir vu Puis qu'il si y a que cochon, bad et je dorm. pourrais Tornade en fait, donc c'est bien. Bah, il l'a pas encore cyclé, je pense. Oui, il doit recycler sa Valkyrie, etc. C'est bat aussi. Voilà. Je vais appuyer au max mon golem. Ok, il part en bat là Là, il maintenant. va cochon, je pense. Merde, j'ai raté une bat. Quel con. Pas grave, je vais apprendre C'est pas la grave. Tornade, c'est pas grave. Après, il va rajouter. Ah, mais il a T2 quand même. Ok, bah je vais Là, tu forcer peux un mettre un peu. bûcheron. Ouais, je fais un chemin bûcheron. Ouais. Ouais, là, il a claqué sa bo... Là, il est mort. Il a plus l'élixir. Parfait. Ouais, là, t'as. Il a joué sa T2 au début et. Ouais, il aurait pas dû, clairement. C'était mort. Clairement, il aurait pas dû. Il va à cochon à gauche ou pas? Bon, il a 5 DX6, 6, 6. Je vais recycler ma Donc MG histoire je de pense. recycler. Ouais. Je fais ça juste histoire de dire tu mets pas de coups, tu vois, histoire qu'il gagne du Ouais. temps.
Ouais. Le zap, là, ouais. Voilà. Après, là, il connecte bien. Là, il peut recochon, mais je reprends. Là, t'as juste un tempo, de toute façon, sur la gauche. Hein. Ouais, Je sais il pas prend s'il pas. rage quitte. Je Je crois crois qu'il a pas. rage quitte. Non, il a Ah pas. non. Il tente. J'ai le bûcheron pour Et la il a droite, parce qu'il va bien sûrement cochon à dit. droite. Et là, du coup, il se prend un zap. Bim. Là, je m'en fiche, en fait. Voilà. Tu me tapes si tu veux. Je te laisse même un coup de plus, si tu veux. Pas de problème. De toute façon, quand du cochon 6, quand tu prends la tour aussi rapidement, je pense que c'est chaud pour lui de Ouais, rattraper. clairement, c'est clair. C'est clair. Surtout quand t'as un bon deck golem qui peut bien aider. Pas mal du tout ce petit deck Golem Zap. Hein. T'as un 8-0 là, du coup. Je suis en 8-0. Ouais. Mais du coup, je vais arrêter là-dessus parce que bah, ça fait déjà deux replays, il y a plus sur les tiens, etc. Et après, la Ouais, vidéo ouais. est trop longue. Mais du coup, c'est le petit Ouais, 8-0 c'est qui un passe avec ton deck. Parfait. peu. Ouais. Bah, merci C'est beaucoup, pas mal. Naratos, du coup. Bah de rien. C'est cool. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Désolé, effectivement, pour la caméra, il n'y a pas de lumière, etc. Mais sinon, il fait trop chaud. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée.